bon, on va changer un peu notre team. Dana est toujours au level. Alors, pouf, pouf, pif. Donc là, on peut pas. Normal. Je dirais faut aller directement là. Après, c'est. Est-ce que ce serait dans le coffre? Là, parce qu'il nous manque un coffre qu'on n'a pas ouvert. Est-ce que la partition sera là? Non, c'était en haut. Non, si, non, pas du tout. En bas. Ah, je suis perdu. Au secours. Après, normalement, on se souvient qu'il y avait un gars dans le passé. Il faisait de la harpe. Et là, ça va encore être verrouillé. On dirait directement là-bas. Ah, nous sommes arrivés au pont royal. Autrefois, au bout de ce pont, il y avait l'entrée d'un majestueux palais royal. Un duc majestueux. Ah, là-bas? C'est un cristal normal, mais... Peut-être si nous nous rapprochons, il pourrait... Sointer. Allons-y! Inspectons-le! J'aurais dû faire une sauvegarde au cas où. Pour Austin. Dana, どうしたのだ?今、太陽の光が一瞬かげった気がしたんだけど。気のせいではないのか?雲は出ていないようだが。 Ah, dis-moi plutôt, c'est quoi cette histoire de palais complètement détruit? Ah oui! Ah, Sarah et moi, nous sommes nés et nous avons grandi dans ce palais. Alors, ce n'est pas le genre d'histoire misérable que je peux encaisser calmement. Olga! Ah, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'existence de ce cratère, bien sûr. Bon sang. Mais quand une telle chose arrivera sur la capitale? On dépêche-vous, tout le monde. Que tout soit en ordre d'ici la fin de la journée. Ah, tiens, tiens, ne serait-ce pas toi, Dana? Pourrions-nous aller ensemble rencontrer le grand prêtre de la ville frontière aujourd'hui? Bien, eh bien, il y a quelque chose que je veux examiner en ville. Oh, vraiment? Ah, si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Ah, oui, merci. Où est-ce que vous allez comme ça? Sur décret de Sa Majesté la Reine Sarai, des réserves alimentaires seront mises en place. Dana n'avait-elle pas prédit qu'une mauvaise récolte était fort probable cette année? Ne serait-ce que la prémonition d'hier? Il n'y a pas de doute. Ah, c'est bien notre reine Sarai, ça. Elle a déjà mis en place des mesures adaptées. Oui, quand bien même il y aurait une mauvaise récolte, nous n'aurons pas à nous inquiéter. De toute façon, dans notre royaume d'Eternia, nous avons la reine Sarai et toi. À vous deux, vous avez bâti pour nous l'ère la plus du plus grand bonheur. Eh bien, sur ce, je vais de ce pas me mettre à mon poste.
Désolé de t'avoir retenu. Ah, pas de problème. Voyons, j'y vais. Veuillez m'excuser. Ah, je n'ai pas pu lui dire. Ah, Je n'ai pas pu lui dire que je cherche à savoir pourquoi le palais sera détruit. Ah, ça ira. Mais dorénavant, tu ne dois pas provoquer de désordres inutiles. Ah, c'est tout, Dana. Moi aussi, je dois bientôt y aller. L'endroit où Adol est censé se diriger, c'était bien le pont qui mène au palais royal. Oui, on doit se dépêcher afin qu'Adol puisse arriver au cratère. L'obscurité. Comment ça, l'obscurité? C'est un peu... Les quêtes, évidemment. La prêtresse, la prêtresse. Cécile, ça va? Les festivals et moissons viennent de se terminer et vous allez déjà partir. Récemment, vous étiez toutes les deux extrêmement occupées. Oui, désolé de vous avoir causé du souci. Ah, pas du tout, mais si je puis me permettre, n'hésitez pas à compter sur nous. Ah, je ne sais pas ce que vous cherchiez, mais d'après ce que je vois, ça a l'air très grave. Je n'ai que de faibles moyens, mais je voudrais vous offrir mon aide d'une façon ou d'une autre. Ah, merci Cécile, j'en suis très heureuse. Ah, je ne peux entrer dans les détails pour le moment, mais il se pourrait que nous ayons bientôt besoin de ton aide. Ah, quand ce moment sera venu, je demanderai l'aide de tout le monde sans hésiter. Ah, j'ai compris, Privatas. Merci. Au moins, jusqu'à cette date, nous tiendrons bon à votre absence. Bien, je compte sur vous. Dana, c'est ici que nous nous séparons. Je vais chercher à en savoir plus à partir du temple. Oui, c'est compris, moi aussi je reviendrai dès que possible. Ah, le temple ne va pas s'écrouler, parce que vous êtes absente quelques jours. Comme le festival des moissons vient de se terminer, il y a des embouteillages partout aujourd'hui. Ah, faites attention, à vous lorsque vous sortez. Vous avez tous les deux la bénédiction du grand art. C'était par là? On va dire que c'était par là? Ça m'a l'air d'être là. Oui. Donnez-moi la vitesse. Par pitié. On se traîne le cul. Voici le petit sanctuaire. Où est-ce que c'est? Ah, c'est en haut. Comment ça, c'était pas en haut? Ah non, mais c'est un esprit. Il est bloqué. Il est coincé. Oui, évidemment. J'ai failli y rester. Je sais pas qui tu es, mais tu m'as sauvé, merci. Si, je t'en prie. Je m'appelle Dana. Que fais-tu ici? Ça va être une longue histoire. Je suis Eld, l'esprit des torrents. Comme mon nom l'indique, je suis né dans les fleuves de l'Ouest. C'est arrivé récemment, mes amis esprits se sont volatilisés. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient partis en vacances. Comme j'étais inquiet, j'ai suivi les présences. Enfin, en fait, c'est ma petite sœur. Elle me casse toujours du souci, je te jure. Ah, je vois. Ah, je suis navré. Je ne sais pas où elle se trouve. Ah, t'inquiète pas. Elle ne doit pas être très loin. Ah, Dana, c'est ça. Ah, tu en veux vraiment la peine? En guise de remerciement, accepte-le, s'il te plaît. Ok. Donne-moi ton pouvoir. Dana a reçu le pouvoir d'Eldo, l'esprit des torrents. Le Steen... Inclusion a été renforcée. Gravure bleutée obtenue. Oh! Oh, je peux geler! Hé, que le veuve de l'Est te protège! A plus!
Ah, des esprits, frère, ça. Ah, j'espère qu'il pourra la retrouver. Ah, si ça se trouve, elle est encore dans les environs, moi aussi je devrais faire attention. La vertu. Aïe! Ah! Il a suffi que de ça. Va falloir y aller. Oui, c'est la porte qui s'ouvre. Surtout qu'on peut pas TP. Bah, le seul moyen de TP, c'est la crypte. C'est pas là où on veut aller. Hein. Par en bas, plus rapide. Ne m'interrompez pas. Ah mais il le prend pas en compte. Surtout qu'on a acquis le pouvoir de la transposition de la mort qui tue. Peut-être que... est-ce que je peux? Oh, eh bien, prêtre, c'est dites-moi tout. Auriez-vous des partitions? Une chanson que je peux interpréter à l'art? Ah, c'est pour nous encourager à aller défier l'Océanos. Ah, j'aimerais bien un air qui mettrait du baume au cœur et qui motiverait les gens. Oh, du baume au cœur et qui motiverait. Oh, dans ce cas, il faut un classique. Je pense que quelque chose comme la fertilité bleue devrait faire l'affaire. La fertilité bleue? Ah, c'est un air qui est même joué lors du festival de la moisson. Ce sera très bien. Tant mieux. Oh, seulement, j'ai donné la partition à une jeune fille qui s'appelait Kajoula. Oh, je ne l'ai plus en ma possession en ce moment. Ah, mais si vous lui dites que vous en avez besoin, elle devrait vous la rendre. Ah, dans ce cas, je vais aller lui demander, merci. Elle est où? Elle est sur le côté à droite. Comme ça. Elle est en bas. Tac. Ok. Cassez-vous! Je pas. Ah non, c'est un autre esprit. Ah, c'est peut-être la petite sœur. Je me suis mordu. Je suis libre. Ah, je perçois un certain soulagement. Mais qu'est-ce que tu faisais ici? Ah bonjour. Alors comme ça, tu peux me voir? Je suis encore trop contente. Je voudrais peut-être dire que... désolé, mais je me devais de célébrer le moment. En ce qui concerne ta question, en fait, quelque chose d'étrange est arrivé. Je suis l'esprit des gouttes. Mon nom est Plaou. Normalement, j'habite dans la rivière, tout à l'ouest. Mais pour une raison que j'ignore, j'ai été amené ici. Quel est ce pouvoir? Je ne ressens pourtant pas la présence de votre esprit. Amené dans la capitale royale? Ah, je n'aurais jamais... Je n'y aurais jamais pensé. Hihi, mais peu importe. Ah, car j'ai enfin rencontré quelqu'un qui peut me voir. Ravi de faire... Ravi que ça te fasse si plaisir. On dirait que tu es en pince pour les humains, je me trompe. Ah, tu as tout compris. Je suis convaincu que les humains et les esprits devraient se mêler davantage les uns aux autres. Il y a très longtemps, un humain a même sauvé le monde en empruntant les pouvoirs des esprits. Et je pense qu'on devrait nous aussi viser ce genre de relation. Bien sûr, j'ai conscience que cela ne ferait pas du jour au lendemain. Mais pour le moment, j'aimerais juste me faire des amis.
On dirait qu'on trouve aussi des phénomènes du côté des esprits. Ah, dans ce cas, me voici, je m'appelle Dana. Te fais ton ami. Oh, merci. Tu es quelqu'un de bien, Dana. Ah, voici un témoignage de ma gratitude. Je te prie de l'accepter. Oh, Dana reçoit la force de Plowl. Qui dégoûte. Ma défense est augmentée de 30. Oh, cette sensation. Ah, tout mon corps en est envahi. Ah, merci, je penserai que à m'en servir. Hihi, je suis heureuse d'être ton allié. Ah tiens, à cette présence, grand frère. Ah, désolé, je dois aller me cacher. Au revoir, Dana. À bientôt, j'espère. Ah, elle est partie. Eh, mais elle a mentionné un certain grand frère. Ah non. Il doit probablement s'agir de l'esprit rencontré tout à l'heure. Ah, elle a l'air d'être mêlée à certaines affaires. Mais j'espère vraiment la revoir bientôt. Ah, la vertu a encore augmenté. Merveilleux. Oh, les jumelles. Vite, fuyons. Ah, c'est toi. Le pare-chaud. Ah, tu t'appelles Kajula, c'est ça? J'ai entendu dire que tu avais en ta possession la partition intitulée La Fertilité Bleue. Ah, mais c'est la prêtresse. Ah, je voulais m'entraîner à la harpe. Alors j'ai bien demandé la partition au poète, mais je l'ai vite mémorisée et donnée à quelqu'un d'autre. Si je me rappelle pas, c'était la stèle. La stèle? Bien. Merci pour ces indications. Où est-ce qu'il est? Il est toujours au poste de garde. Merveilleux. Attends, mais il est pas là. Quoi? Ah, les gens se ressemblent. Que se passe-t-il? Oh, prêtresse du grand arbre. Oh mon dieu, nous sommes désolés de vous déranger. Ah, le bonheur de chacun d'entre vous est la preuve de la prospérité éternelle, voyons. À quoi qu'il en soit, vous ne me dérangez pas. Dites-moi de quoi il s'agit. Prêtresse, merci de votre... pour votre passion. En vérité, nous avons découvert un problème dans les installations du grand temple. Comme vous le voyez, le grand temple Bardo est le bâtiment où sont organisées les cérémonies importantes de la capitale. Pour la naissance de nos enfants ou lors des enterrements de nos proches, nous passons sous cette porte principale. C'est pour cela que nous appelons depuis très longtemps cette porte principale la Grande Porte des Bénédictions. Mais comme vous devez vous en douter, elle est très ancienne. Ce matin, nous avons découvert que le système d'ouverture-fermeture par esprit spirituel était cassé. Sa fabrication est spéciale. Il faut d'abord commencer par chercher un moyen de le réparer. Oh, c'est embêtant. Ah, si vous voulez, je peux contacter la tour de bar. Je suis sûr qu'il pourrait le réparer en quelques jours. Oh, merci mille fois de nous venir en aide jusqu'ici. Ah, j'en étais sûr. C'est bien la prêtresse garçon manqué. Quoi? C'est voir tes paroles. Ah, c'est jeune. N'a aucune manière. Peu après, Dana rédigea une demande de réparation et... Et on s'organisa pour la remettre à la tour de bar. La vertu a augmenté. Mais c'était pas lui. La stèle. Attends, mais il est où? Ah, mais il est à tour. Il est en haut. Garde. Non? Attends, la dernière fois il était à droite. Ah bah ils sont là. Ils sont retrouvés. Ah, il était pas là? Si, il était là. Il est où? Oh, me dis pas qu'il faut que j'aille dans un autre... こんなところで何をやっているのかな?
ゆっくり食べた方がいいよ。最近この辺りで見る子だけど、巫女様の知り合いだったのかい？お腹空かせてたみたいだからついサービスしちゃったけど。すみません、私が払いますから。いいんですよ、巫女様にはいつも助けられてるんです。これくらいは何ともありませんよ。 よーし、巫女様、そんじゃ行こっか。まったく、もう。で、行くってどこに？それは巫女様についていくに決まってるよ。うーん、それはダメだよ。私はやるべきことがあるから。うーん、仕方ないな。ま、巫女様は最近随分と忙しくしてるみたいだし、体に気をつけて頑張ってよね。 Douteuse. Douteuse cette gamine. Oui, mais ça me dit pas où est la stèle. Après, il y a l'intérieur. Coup, il est là-bas. On verra bien. Déportons-nous dans la crypte. Alors, est-ce que je peux acheter des choses? On a que 158. Ouais. Au collier spirituel, maintenant on sait ça. Ça fait quoi? Accessoire conférant la protection des esprits. Ressuscite et régénère complètement Dana après une attaque fatale. Oh, cherche donc un chat. Peut toujours pas aller à droite, si, non, je pense pas. Il y aurait encore 3 étages, a priori. Ah super, elle s'est ouverte. Il existe sûrement d'autres monolithes avec des archives historiques. Je devrais y jeter un œil un jour. Ouais, tout ça dedans. Crypte, chambre de la clairvoyance. Ah. Oh, j'ai des flashbacks qui reviennent. Et là-bas, il y a quoi? Toujours pas à quoi ces ressources peuvent nous servir en tant que Dana. Ouais, on peut pas y aller et on peut pas y aller. Ok, ça passe pas. Évidemment. Alors, je vais juste pouvoir rester en bas.
il y a les flammes. J'arrive plus. Les plantes et tout aussi. Très étrange. Mais non. Ok, il en faut deux. Ils sont beaucoup. On va pouvoir grimper là. Ouais, il est là. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Donnez-moi un esprit qui... l'esprit de la vitesse. Hermès. Ok. Maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est pareil. Merveilleux. Lui. Ah. Moyennement sûr que ça passe. Et pas grand chose. Bon.
Va falloir passer par là-bas hein, pour faire les deux piaf. Essayez de se dépêcher. Après monter là pour repartir de l'autre côté. Ah, ça va être tendu. Ok, non, l'autre il vient pas. Plus simple que je pensais. Ah, le nombre de coffres. J'ai du mal là. Et viens là. Non. Non, on va pas tout refaire. Par contre, on va se le faire. Raté de m'embêter. Voilà, même si j'avais pris deux levels. Ah, il me tente. Ah, venez. Ah,
là on parle. Là, on est bien. Ça que j'essaie de faire depuis le début. Voilà. Oh, on est bien. Et toi? Un truc. Non. En vengeance. Genre, il y a une inertie tellement chelou par rapport au reste. Ah. Un coffre. Une énigme. Comment grimper? Juste faire ça serait une bonne chose. Bon, on peut. Wow, ça m'a fait peur. Ouais. Aha. Non, trop. Nani ? Quels sont ces monstres douteux et bizarres ? Oh non, les deux. Non, c'est bon. Quoique. Tigre de foudre. Mais comment on fait après? Ah ah! Alors, c'est quoi cet objet? Oh, meilleure défense. Ça met la paralysie. Oh non. Oh, je l'ai jamais vu lui.
Ah bah là, on est en hauteur. Bon, là, on peut y aller. Mais... est-ce le bon ? J'essaye de donner un coup sans faire tout péter, s'il te plaît. Merci. Brûlure. Défait. Pas encore. Ouais, une esquive, mais bon, plus de dommages. On a réussi à passer de ce côté-là, mais il faudra aller potentiellement de l'autre côté. Ce qui serait pas mal. Incroyable. Ok, il est là. Bracelet de combat. Oh là là. Oh, ils sont relous. On peut pas les attaquer. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Enfin, on a tout. Ah, c'est ici. Encore un nouveau boss. La grande épée argentée. Orgura. Hello. Ok, faut que je trouve. Le bon timing. Est-ce que c'est peut-être un item que j'ai qui fait que mes sensations sont étranges. Oh, il a un bouclier. Take it!
Oups. Ah non, double coup. Meurs pas. Je t'attends. C'est sûr. Oh, mais quand... Ah. Est-ce que c'est le mieux? Ouh, ça fait mal. Ah, il a pu passer stun quoi. Peut-être quoi que. La bouboule. Prends la bouboule. Un coffre est apparu. Collier spirituel. Alors, qu'est-ce que ça donne? Attends. Malgré son... J'ai l'impression que c'est depuis la coiffe. Action ralentie. Ah, mais dégâts infligés, 1,5. Action ralentie. Casse-toi. Prends ce collier spirituel. Ah, attaque défense plus tard, consommation diminuée. Oh mais oui. Oh oui. Oh, c'est trop bien. Oh bah. En vrai par contre, pour les sauts et tout, c'est méga pratique. Et t'as vraiment l'impression d'être direct. Une gravité comme lunaire. Tu vas beaucoup plus loin, tu fais. Et c'est cool. Pour atteindre d'autres lieux. Ah bon, ah, voyons ce qu'il contient. La prospérité créa des jalousies et nombreux furent ceux qui tentèrent de renverser le royaume. Des conflits éclatèrent entre le royaume d'Eternia et les petits états alentours. Protégés par une puissante armée de soldats adeptes de l'énergie spirituelle, Eternia semblait invincible.
Mais les peuples des pays entourant le royaume s'appauvrirent, donnant naissance à des régions hostiles. C'est dans ce contexte qu'un homme marqua de nouveau l'histoire. Urianus. Animé par la volonté d'aider, il se faisait passer pour un simple voyageur utilisant avec discrétion l'énergie spirituelle. Uranus était pour la paix. Il prêchait la bonne parole, sauvant les victimes de la tragédie. Il fut un jour attaqué par un groupe de brigands, alors qu'il parcourait les territoires en guerre. La fille du chef de ce dernier, une jeune femme étonnamment vive d'esprit, frappa Uranus avec son sabre. Mais au lieu de riposter, celui-ci lui répondit par des mots de paix. Ta colère ne s'apaisera pas si tu y cèdes. Inutile de vivre dans la colère, inutile aussi de vivre dans la crainte. Oublie ta colère et ta propre voix se dessinera. La jeune femme fondit en larmes face à la sincérité des intentions d'Uranus. Elle suivit alors le saint dans ses voyages et devint sa disciple. Ses disciples étaient chaque jour plus nombreux, à tel point que même les animaux se mirent à les suivre. Le saint patriote salvateur lors du cataclysme d'Eternia était un homme calme et spirituel. Ah, Saint Urinus, il a aidé à la construction de la capitale. Salvateur lors du cataclysme, c'était un grand homme. Il était suivi par les animaux et a réussi à convertir la fille d'un brigand. Ah, quel drôle d'histoire. Ah, je reconnais cette voix. Ah, Dio, tu m'as suivi? Je me suis efforcé de réduire mon aura cette fois-ci. Ah, c'était si excitant que je n'ai pas pu m'en empêcher. Ah, cette fois-ci. Ah, c'était donc ton aura que je ressentis à l'étage supérieur. Oups! Ah, j'étais pourtant bien dit que c'était cet endroit était trop dangereux pour toi. Enfin bon, ce qui est fait est fait. C'est l'histoire de la fondation d'Eternia. Tu fais des recherches, prêtresse? Hein? Oui. Ah, si ces informations sont authentiques, elles relateraient donc un passé caché. Il s'agit peut-être de révélations historiques. Je me demande si elles contiennent ce que je cherche. Ah, je vois, je vois. Yo? Ah non, 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 rien, rien. En fait, Yo, tu m'as dit que tu cherchais quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que tu as trouvé? Hihi, eh bien, en effet. Ah, je suis encore loin de mon but. Ah, c'est peut-être mieux pour moi de ne pas trouver, en fin de compte. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais je te souhaite d'y arriver. Bon, j'ai pu inspecter le monolithe. On devrait rentrer maintenant. Ah, je dois encore remonter les bretelles pour ta promesse non tenue. Oh non, sois sympa. Mais j'y pense. J'ai des trucs sur le feu. Je vais devoir y aller. Hey, attends. Ah, je lui ai pourtant dit que c'était dangereux. Ah, tant pis, je ferais mieux de remonter à la surface moi aussi. Oh, si elle crève, c'est de sa faute, pas de la mienne. Eh bien, les royaumes qui voient que... t'as un pays qui est grave pété, mais... ils veulent l'affronter. Et après, ils se plaignent. Je fais gars. Non. Ouais.
Sortons de la crypte. Oh, en vrai, enfin! Oh, la victoire! Oh, la vitesse! Est-ce que l'Estelle est là-bas? S'il te plaît. Oh oui, il y est! Merveilleux! Miko-sama? Je vous jure, des fois, l'automatisme, il parle, mais t'es en automatique. Quand ça parle pas, le mettez pas. Ah, tu es la stèle, c'est ça? On t'a déjà chargé à la garde de l'entrée du palais? Oui, je remplace mon père qui est sorti dans les faubourgs de la ville, mais apparemment, le responsable de la guerre de cet endroit peut aussi être déployé dans le temple. Ah, ma foi, le jour où tu respecteras ta promesse, tu seras proche. Ah, je ne sais pas si tout ira bien, mais pour assurer mon supérieur et mon père, je dois accomplir ma mission. Ah, même si tu es remplaçant, la garde de la grande porte du palais royal ne peut être confiée à n'importe qui. Ah, ça me rassure de savoir que c'est toi. Ah, bon courage. Merci. Sinon, prêtresse, que se passe-t-il? En fait, je cherche la partition de la fertilité bleue. Je me demandais si vous l'aviez. Ah, je possède en effet une partition. Je te la donne volontiers, prêtresse. Oui, on l'a. Ah, merci. Ah, je peux vraiment l'apprendre? Ah, j'ai compris que je n'avais aucun talent pour la musique. Ah, je voulais apprendre pour ma culture, mais sans succès. Ah, d'accord. Ah, moi non plus, je ne suis pas très bonne à l'art, mais je suis plutôt douée à la flûte. Ah, je dois bien y avoir... Il doit bien y avoir un instrument pour toi, la stèle. Ah, prêtresse. Ah, je vois. Ah, c'est peut-être bien ça. Ah, si j'en ai l'occasion, j'essaierai avec un autre instrument. Oui, ah, courage. Bon, j'ai récupéré sans problème la partition convoitée. Ensuite, faut que je la mette en sécurité. Ah, je vais mettre cette partition dans ce vase. Et je vais l'envoûter. Ah voilà, c'est fini. Ah, je devrais... ça devrait me permettre de rejoindre l'époque d'Adol. Donc c'est pas le coffre. Mais... à l'autre bout, il m'en va à l'autre. J'en ai marre. Ah, mais le coffre me trigger toujours. Comment? Pourquoi? Que se fait-ce? Ah, tu vas pas me dire que grâce à une simple branche, ça va se maintenir tout le palais. Ah, le cristal. Ah, si c'est à cet endroit... Ça m'étonnerait, mais... Ah, je ne connais pas les calamités qui ont frappé le palais royal, mais au moins, je ferai tout ce qui est en mon possible, ce jeune plan. Ah si. Ah ouais, tout le palais. Ah. こんなこともできるのか?
思い出してきた。確かに王宮を蘇らせようとして、ここにヒモロギを植えて、ヒモロギは王宮を守ろうと、あの形態へ変化したはずだから。肝心なのは、一体何から守ろうとしたのかだが。それは…Tu t'es souvenu de quelque chose? Dommage. On se calme. On a voulu indiquer sur le cas. Yes, Ah, c'est là-dedans. Il faut qu'on aille là-bas. Demi-tour! Et allez voir. Mais c'est plus son blaze. Le poète. Oh! Le merveilleux! Il donnait la partition. Normalement, c'est dans... Non ? Ah oui, à droite ! On peut y aller. Attends, TP. Je reconnais ce vase. Je l'ai envoûté avec à l'aide de l'énergie spirituelle. Bien, il reste au moins quelque chose de cette époque. Partition, fertilité bleue obtenue. On a récupéré quelque chose d'intéressant. Attends, allons retrouver Austin. D'abord à gauche. C'est en bas. Ah, on va pouvoir pénétrer là-dedans. Peut-être récupérer enfin ce monastère. Attends, c'est quelle zone qu'on n'a pas vu? Ah, oh, c'est le debout. Quelle est cette zone douteuse? Ils ont l'air un peu nuls. Des hommes crocos. En dessous, en bas. Si tu veux. Une armure pour tout le monde.
Il y en a au moins deux. Ça, on aime. Oh, je pouvais passer. Oh non. Va falloir tester en bas aussi. Ah, il en manquait un. Ah. Où est-ce qu'il est? Ah, il y en a trois. Attends. Peut-être en dessous. Bon, rien. Que la lumière souhait. Tout sombre. Donc c'est à droite. Il était fou. Il est devenu fou. Ah, est-ce que c'est lui? Mais encore trois coffres là-bas. Ah, intéressant. On peut y accéder. Un autre chemin. Au moins lui, c'est fait. Retire-moi ça. C'est très bien. Maintenant, let's go. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi piller. Un remède amer. Et un guide vie. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus de formule. Créer de nouvelles potions. À 97, il manque ce qu'il y a en bas. Mais ce sera pas pour tout de suite, malheureusement. Mais ça règle en aucun cas mon histoire de trésor sur le côté à gauche.
Attends. Si c'est pas par rapport au passé. Sachant que là, tout est bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme, peut-être dans cette maison, qui ferait que ça déverrouille? Je ne sais pas. Quelque chose. Il faut Dana. Un truc qui brille à côté, non? Je vais devenir fou. Alors, avant d'avancer, pour pas que la quête soit complètement morte, on va aller le voir. Ah, mais la mamie, elle est là. On l'avait pas vu tout à l'heure. On part chercher la demeure d'Océanos, c'est ça? Avant de savoir où il est, il faut savoir comment lui faire face. En tout cas, l'heure de la bataille décisive approche. Rien que d'y penser, je n'arrive pas à me calmer. Ok, pas de cadeau pour elle. Austin. Tiens. Vous donnez à Austin la partition de la fertilité bleue. Oh, c'est... Oh, je ne sais pas comment tu as fait pour mettre la main sur ça, merci. Ah non, c'est moi. Vérifions sans plus tarder cette partition. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a écrit. Je n'arrive pas à la lire. C'est vrai, ils n'utilisent pas les mêmes caractères que nous. Dans ce cas, je peux t'apprendre. Et c'est ainsi qu'Austin a commencé à apprendre à lire la partition avec Dana. Jouer cette partition sembla désormais à portée de main. Avec ça, ça devrait aller. Adana, toi aussi, tu as de grandes connaissances musicales. C'est-à-dire qu'en tant que prêtresse, j'ai eu l'occasion de me produire durant des rituels. Je suis plutôt doué pour jouer de la flûte. J'adore aussi cet air. Oh, c'est parfait, du coup. J'ai aussi cherché des partitions de mon côté. Mais sans grand succès. Oh, mais j'ai réussi à mettre la main sur une flûte. J'aimerais que tu viennes te joindre à moi pour en jouer. Avec plaisir. Plus tard, Austin et Dallas s'organisèrent pour répéter. Et après avoir convoqué tout le monde, ils donnèrent un concert destiné à remonter le moral du village des naufragés. Ah bon, tu es prête? Oui, allons-y. Ah, ils sont drôlement doués. En tout cas, ça sonne très bien. J'adore la musique. J'en ai des flèches. Hein. Aucun doute, c'est admirable. Oui, ce sentiment d'insouciance et de liberté émanant de Dana est remarquable. Et Austin
à n'en pas douter, a une technique remarquable et une puissance d'expression fantastique. Vous êtes tous les deux des talents cachés, vous deux. Ah, je suis contente qu'on ait terminé sans faire d'erreur. Ah, tout ça, c'est grâce aux qualités incroyables d'Austin. Moi, je n'ai fait que l'accompagner du mieux que je le pouvais. Oh non, non, elle n'a fait que suivre la partition jusqu'à la fin. Elle n'est plus dit moi. En tout cas, c'était bien stylé. Oh non, le vrai talent repose dans la créativité. Et ce qui est vraiment magnifique, c'est le travail de composition. Moi, je n'ai rien fait d'autre que de reproduire son œuvre, tout simplement. Voyons. En ce moment, plus que la mienne, c'est l'interprétation de Dana qui était solaire et magnifique. Oh, ah, vraiment? Ah ben, en tout cas, je suis bien heureux qu'on ait pu terminer sans incident. Pour le moment, j'aimerais reprendre confiance en moi dans la création artistique avant-gardiste. Et si je commençais par un chant traditionnel, le chant d'Eternia, éternité. Oh, elle est plutôt pas mal cette improvisation, non? Oh, l'inspiration dans tous les pores de ma peau. Oh, royal obtenu. Ouh. Merveilleux. Incroyable. Et au max. Ah, ça va nous aider. Toi. Oh, tu as encore trouvé un nouveau guide de mixion? Vite, fais-moi voir. Potion de vie. Ouh. Herbe aura. On en a pas du tout. Faudrait les prendre à un moment. Mais le collier spirituel. Enfin, il est là. C'était quoi déjà? Ah oui, Si on meurt, on ressuscite. Donc, je sais pas quel est. C'est vraiment. Pas très bien ou juste bien. On a d'autres choses. Est-ce qu'avec tout ça on peut améliorer? Ah, elle bleue. Mais lui on peut. En plus d'eau faire à ricotta. Ah, toujours pas. Hein. Cristal spirituel, elle bleu ciel. Oh. Et vous? Juste un en plus. Falloir améliorer tout ça. Il n'y en a plus. Je voulais voir à Doogie 2 secondes. Oh, poignée de fer. Parfait. Adol a offert à Doogie le coup de quoi en fer. Oh, on dirait qu'il peut servir encore longtemps. Et il tient étrangement bien dans la main. Oh, ça devrait être l'arme d'un grand guerrier. Ah. Comment t'arrives à savoir ça? Oh, c'est comme ça que tu as ressenti quand tu as pris ton épée. En tout cas, il me plaît, je vais de ce pas le faire renforcer à la forge. Oh, je devrais alors pouvoir faire face aux créatures antiques. Après tout, en l'associant à mes capacités, je vais pouvoir t'aider dans tes recherches. En fait, j'ai demandé à l'assemblée la nourriture se conservant. Il y a un bon endroit au nord de l'île, Doogie, tu m'accompagnes. Hey, Doogie, il manque du matériel. Viens un peu par là,
On va décider de la répartition des tâches. Ah, Toki, 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 j'ai trouvé quelque chose. Viens à la tour de guet. Ah, désolé, j'ai pas mal de choses à faire. Ah, Hélène. Ah, tu nous serais d'un grand secours, mais tu ne peux rien faire pour nous. Et puis, je suis ton compagnon de galère. Donc, pour ce qui est du village, compte sur moi. En tout cas, le travail devrait avancer. Je vais l'utiliser à bon escient. Oh la max. Ah, il n'a pas les petits cœurs. On n'a pas besoin de petits cœurs. Donc oui. Donc ça, va falloir le faire. Mais comme c'est le plan d'action... Ah. Par contre... En fait, c'est juste la même chose, mais en plus... Au level, c'est ça. Est-ce que ça a vraiment une importance de le faire? Peut-être pour le challenge, mais ce sera la même chose. Qui Est-ce qu'on a toujours la petite bague? Et le chapelet d'argent. Mais en fait, à part Sylvia qui veut rien pour le moment. Sornia. Mais oui, le chapelet. Évidemment. Où elle est? Mais elles sont pas là. Où est-ce qu'elle est aussi? Tu m'étonnes. Elle a disparu. Non. Peut-être à la zone de repos. Ah mais elle est tout en discrète. Adèle a offert à Sornia le chapelet en argent. Oh, il a été fabriqué par Aaron. Oh, même comparé à ceux de l'église du dernier firmament, sa confection est inégalable. Oh, cette personne a fait vraiment un travail magnifique. Ah, l'habit ne fait pas le moine. Ah oui, Aaron est différent de ce qu'il paraît. Je pense qu'il est idiot de juger quelqu'un par son apparence. Oh, et au fait, je vous remercie beaucoup de me faire un cadeau aussi magnifique. Oh, que les cieux vous bénissent. Merci, vous, pareil. Et, merci bien. Je suis très chanceuse. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour la suite. Je vais aussi trouver ce dont je suis capable. Le dieu céleste nous envoie des épreuves et nous devons les surmonter. Petit cœur. Adol, pouvez-vous venir avec moi quelques instants? それにしてもこの漂流村もとても発展しましたね。ついには脱出のための船作りまで。 Eh ouais. Ah, c'est grâce à tout le monde. Voyons. え、私もちょうど同じことを考えていました。以前の私ならこの結果も神の御業によるものだと そう信じて疑わなかったでしょう。ですが皆さんと共に多くの時間を過ごした今なら分かります。漂流村の今があるのは確かに我々の力によるものなのだと。と言っても決して私の中の信仰心が揺らいだわけではありませんよ。聖国の神はどんな時でも我々を見守ってくださっている。ただ 時には運命に抗う強い意志も必要だと。神に身を委ねる前に、まずは自分たちの力を信じて行動することが重要だと。そして、その抗う姿勢こそ、神が我々に求めておられることではなかろうかと。アドルさんや皆さんを見て、そんな風に思わされました。
Ah, mais vous en faites partie, voyons. Merveilleux. Donc, Lakshya, c'est bon. Saad, c'est bon. Hummel, c'est bon. Ricotta, pas encore. Dana, non plus. Mais on les a pas. Dougie, c'est bon. Allison, Ed. Il n'y a pas besoin d'une petite bague, Ed. Peut-être. Catherine, elle veut rien pour le moment. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Leech, non, pas pour le moment. Quina, Austin, Sylvia, Thanatos, il veut pas. Cachu, Cachu, il veut des choses. Mais quoi? Little Pa. Si c'est lui. Où est-ce qu'il est, ce piaf? Où est le piaf? Ton poisson, normalement, c'est bon. Non, mais oui, oui. Chut. Arrêtez de répéter. Non. Où est ce piaf de malheur? Comme c'est très sympathique, parce que c'est un perroquet. Où est-il? Il peut être sur une perche un peu partout. Piki! Piki, Piki! Il y a pas longtemps. Mais je suis aveugle. Dis pas qu'il est au-dessus. Non. Je l'avais vu. Il est où? Je suis sûr qu'il est à côté là. Oh, un coffre. Et un nouveau cadeau qui apparaît comme ça. Merci. Cachu. Oui, gagner contre Doggy, c'est très bien. Arrêtez de répéter la même chose à chaque fois. Cachu, il veut rien. Thanatos. Ouais, donc donne-moi mon bonhomme. Il paraît que les produits d'excellente qualité seraient échoués. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas perdu à au bras de fer. On fait quoi exactement à propos de tu sais quoi? J'ai répété pas mal de choses. Il faudrait que tu viennes me voir. Je vois, je prendrai 5 minutes. Oui. Marx, un bouquin. Ricotta. Oh. Adol a offert à Ricotta le dernier volume de Contes de Marx. Ah, les Contes de Marx, j'adore ce livre. Je voulais savoir la suite. Ah, mais je ne la trouvais pas. Adol, merci, je suis très heureuse. Oh. De quoi ça parle? Eh, Marx se bat pour sa femme et son enfant. À quelles que soient les difficultés, il les surmonte à eux. En lisant, je comprends l'importance de la famille. Je me battais pour ma famille, pour tout le monde, pour le village. Ah, on va le protéger ensemble. Ah, ta présence me rassure. Ah, je vais tout de suite lire le livre. Ah, je te rappellerai là si tu appelais. Ok, Ricotta, nickel. Bon, le piaf. What is the piaf? Je vais aller vérifier Ed. Oh. C'est embêtant. Et t'as rien à coudre, toi? Est-ce qu'on a assez accro à la vitesse humaine? On n'avait pas besoin d'aile bleu ciel. Ouais, mais
n'est-ce pas le plus important du cosmétique? C'est pareil à la puissance. Ouais, bah elle est devenue bleue. Ouais. J'aime bien le violet. On va peut-être lui enlever. Enfin! On va grimper tout en haut. Essaye de le trouver. Ah mais il y a Austin maintenant. Oh non! Est-ce qu'on peut aller parler ailleurs? Allez. Shikashi. いい眺めだ。最初は何もないと感じた漂流村だが、このように雄大な自然があり、何よりアドルやみんながいる。もちろん脅威も多いが、ここには大陸にはない豊かさがあるな。え、とたフェア。さすがはアドル。 そんなこと最初から分かっているという顔だな。僕は貴族ということもあって、自分が特別な存在だと思っていたが、ここで生活をしているうちに決してそうではないと気づかされてな。ここではそれぞれに役割がある。漂流村はいわば世の中の縮図だ。自分はあくまでもその中の一人にしか過ぎない。そして貴族も 世の中の一部にしか過ぎない。僕には類いまれなる芸術のセンスがあるとはいえ、この状況では何の役にも立たないし、正直恥ずかしいとさえ感じるのだ。わあ、フェインベルパフォーマンスだ。あれは大した才能じゃない。才能というのは 独創性。僕の音楽はただの模倣だからな。ただ自分にしか果たせない役割があるのだとしたら、僕はそれを全うできる人間になりたい。それが何かはまだわからないが、決意だけでもアドルに伝えておきたくてな。C'est une magnifique décision. 君にそう言われると素直に嬉しいな。まあなんだ。とにかく改めてよろしく頼む。全員の力を合わせて必ずこの島から脱出しようじゃないか。Nous ensemble. Évidemment. Ah. Donc oui, moi je voulais monter tout en haut. Est-ce possible? On peut. Et là, il est là. Non, il n'est pas là. Ah, mais c'est là-dessus qu'on va se quitter. Et oui. Parce que je commence à mourir de la voix. Et enfin, pour une fois, on n'est pas avec Dana dans le passé. Et on va pouvoir enfin... Enfin, je vais pouvoir enfin mon mettre au rang S tranquillement, sans souci. Ah, c'est une bonne chose. Bon, sauvegarde, on sait jamais.